Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ben non, c'est pas sur Dream Team, cette fois-ci c'est sur Captain Tsubasa Zero Miracle Shoot. Donc on va dire zéro, hein, pour abréger. Ce super soda qui vient nous faire un super frappe avec, le Sky Dive Shoot, je crois, ça s'appelle comme ça. Et bien évidemment, le Drive Shoot de Tsubasa face à Jito contre la Hirado. Donc après 24 heures de jeu. Je voulais pas vous faire une vidéo découverte où je fais n'importe quoi, où je dis n'importe quoi, etc. Donc il y a des choses que j'ai compris, plus ou moins. On va voir ça tout de suite. À la base, je voulais pas faire de vidéo dessus. Voilà, je vais pas vous mentir, je voulais pas vraiment faire de vidéo dessus ou quoi. Mais le jeu est sympa, bon voilà, c'est sympathique. Je pense que c'est vraiment un vrai complémentaire à Dream Team. Par exemple, Dream Team. Si Dream Team te... Si Dream Team te saoule... un bout d'un moment, bah, tu peux jouer à zéro en mode la main dans le slip. Tu vois ce que je veux dire? En mode tranquille, détendu, tu te prends pas trop la tête, y a pas de PVP, je crois. Ou quand même rien du tout, ouais. Par contre, il y a la ligue. J'ai pu croiser 2-3 joueurs FR. Voilà. Donc, voilà. Comment se présente le menu? Donc, en haut, tu as mon nom avec le level. Donc, je suis level 14. 174 pièces dorées. Là, tu as les ballons arc-en-ciel. Donc, c'est les Dream Ball, hein, c'est les gemmes, c'est les Dream Ball. Si on se compare à Dream Team, 1352 où il y a le crampon noir là. Le crampon, ça c'est la stam, tout simplement. Donc, au début du jeu, pour la campagne de lancement, ils ont donné beaucoup de stam à tout le monde. Comme ça, tu peux farmer, etc., etc. Donc voilà. Donc tu as la ligue, tu as histoire secondaire avec des filles, donc tu vas pouvoir avoir des filles dans ton équipe qui sont plus ou moins fortes apparemment. Donc je savais pas, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, donc aussi pour savoir, quand tu... Bon, attends, on va faire les choses par ordre. Donc actualité, bon, actualité comme tu sais dans sur Dream Team, les cadeaux, bon, les cadeaux, hein, ça n'y a pas de souci. L'émission, un peu comme Dream Team, par contre ce qui est un petit peu dégueulasse, pour zéro, t'as vu les missions quotidiennes, bon, on va mettre tout recevoir, voilà, hop, ah bah je passe au niveau 15, bah, c'est excellent ça, donc t'as des missions quotidiennes, mais ce qui est salaud un petit peu avec ce jeu là, c'est pour que tu puisses finir les missions quotidiennes, en tout cas ces premières missions quotidiennes, il va falloir que tu achètes le pass de ballon arc-en-ciel et le pass ballon arc-en-ciel quotidien, voilà. Sur Dream Team, c'est n'importe quoi. Tu te rends compte que sur Dream Team, si tu avais mission quotidienne, tu dois acheter un pack de Dream Ball, je sais pas moi, à 20 balles, et là, tu as fini tes missions quotidiennes. C'est nawak. C'est nawak. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon, voilà. Cumulatif, voilà, bon, je viens de passer. J'ai 150 gemmes. Là, tu te dis 150 gemmes, c'est beaucoup. Oh là là, tu vas pouvoir faire des multi. Calme-toi, frère. Calme-toi. Hop, menu. En fait, pour faire une multi dans le jeu, il te faut 300 ballons. Voilà. Donc ça te fait relativiser très, très rapidement. Joueur, voilà mon équipe pour l'instant. Donc j'ai pris le Waka. Parce qu'en fait, quand tu commences le jeu, tu as une single avec 3 étoiles garanties. Donc 3 étoiles, c'est SSR. Voilà. Je crois que 5 étoiles, c'est un peu comme LR, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Parce que dans cette vidéo, il se peut que je dise beaucoup de bêtises. Donc si je dis des bêtises, pardon, mais à culpa, pardon. Donc là, pour le Waka, pour le faire évoluer en 4 étoiles, il faut qu'il soit monté level 60. Alors on va dans évolution. Il faut qu'il soit level 60. Et il faut que tu aies 90 pièces, pas du potentiel, parce que là on est, voilà, mais 90 pièces Waka pour le faire évoluer en 4 étoiles. Et là, par contre, tu peux débloquer, que je te montre. Hop, non, c'est pas là. Voilà. Tu vas pouvoir débloquer sa deuxième spé. Donc, il a sa première spé parade de l'ange gardien EX. Et là, c'est bloqué parce qu'il faut faire son évolution. Voilà. Là, tu as soutien, préparez-vous. Bon, au début, tu fais un peu n'importe quoi. Mais au début, fais aussi tout ce qui est automatique. Te prends pas la tête. Mais automatique. Comme ça, au moins, tu vas... comprendre après, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dès le début. C'est un peu comme ça dans Dream Team. Dans Dream Team, c'était un max d'informations d'un coup, comme ça tu te manges des pêches dans la bouche. C'est n'importe quoi.
Donc voilà, on en a des techniques, évolution, entraînement. Donc, moi je mets entraînement automatique, je ne me prends pas la tête, hop. Voilà. Bon, ça, tu les gagnes durant les matchs. Voilà. Vitesse, pas de souci. Donc, amélioration, tu restes appuyé sur le bouton amélioration et. En fait, plus tu montes dans les levels et plus ça te coûte cher. Donc, pour l'amélioration, ça coûte avec les pièces dorées, 173. Par exemple, regarde, je vais le faire en direct. Sinon, tu fais ça, le level max. Donc, tu prends le level max et il va te dire qu'il va effectivement monter. Level 53, mais il va te rester que 43 000 pièces. Voilà, donc ça monte vite les pièces. Hein. Ou sinon, tu le fais manuellement. Donc, voilà. Tu le fais manuellement, tu restes appuyé sur. Regarde, donc je vais faire. Voilà, et tu lâches. Voilà. Et là, on voit ses SP. Défense, il a 2000 et quelques. Voilà, coup de pied, etc. Donc, je te conseille quand tu commences le jeu. Par contre, malheureusement. Malheureusement, le bouton retour il est derrière quoi, c'est un petit peu chiant. Attends, on va faire comme ça. Ah voilà, c'est bon, je peux le faire avec le téléphone, c'est bon. Donc voilà. Par contre, quand tu commences le jeu, tu donnes un Tsubasa qui est très sympa. D'ailleurs, merci à Mav pour sa vidéo découverte sur la Glow qui m'a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous invite à voir sa vidéo. Donc le Tsubasa qui est très sympa pour commencer. Donc là, il est level 36. Après, j'ai vu des screens sur Twitter où les mecs ont level à peu près tous leurs joueurs SP 20. Comme ça, tu as une bonne base pour tout le monde. Donc, c'est pas que tu as 2-3 mecs extrêmement forts comme moi j'ai fait et tout le reste est level 7, level 8. Donc, c'est ce qui serait sympa, c'est de mettre tout le monde à peu près level 20, à part bien sûr ton gardien de but et peut-être le Tsubasa. Et le reste, tu mets level 20 pour équilibrer le tout. Donc, entraînement, bon, il n'y a rien pour l'instant. Évolution, j'ai 3 pièces. Donc, ça s'appelle des matchs à insigne. Donc si tu fais les matchs à insigne, donc par contre il va falloir farmer pour le monter 4 étoiles. Technique, il a la retournée aquatique AEX, donc ça c'est vraiment très très fort pour un joueur qu'on t'offre. Franchement ça c'est magnifique. Et soudain il a la victoire de Shizaki, endurance, je sais pas quoi, sup. D'accord, endurance sup. Donc franchement si tu comprends pas tout, mets automatique. Équipe automatiquement, tu te prends pas la tête. Laisse le jeu faire tout à ta place. J'ai eu le Napoléon hier, donc on t'offre par jour je crois une multi. Donc c'est pas... c'est pas 3 étoiles garanties, donc je crois que c'est 2 étoiles minimum garanties, et après bah, au mieux 3 étoiles. Juste Napoléon, très très sympathique, c'est pas fou, mais il est sympathique. Donc ça 2 étoiles. Bon, bien évidemment, dans le jeu, il va vraiment viser toujours les 3 étoiles. Donc voilà. Entraînement automatique, hop, voilà. On se prend pas la tête, tu mets tout automatique, tu te prends pas la tête. Donc lui, il faut 15 000 pièces, et lui par contre, c'est que 30. Tu vois, pour le passer en 3 étoiles, c'est que 30. Voilà. Technique, il a le tir boulet de canon qui n'est que classé que 2 étoiles. Donc, bien évidemment, comme je vous ai expliqué, pour débloquer la deuxième spé, il faut le monter, je crois, 4 étoiles. Et soutien, on met automatique. Bon, mais, bon bah lui, il n'a pas de soutien. Voilà. Ok. Au début, je me rappelle quand j'ai joué au jeu, mes premières heures. Et j'ai eu le Shizaki, c'était l'un des seuls qui avait une spé de tir très puissante. J'ai eu le Pasquale qui donne le tacle argentin. J'ai eu le Urabe hier. J'ai eu le pierre, elle est magnifique. Bon, c'est un 2 étoiles, mais ça va, c'est pour commencer, c'est bien. Le Yuga, tu te dis que c'est Yuga qui donne le tir. En fait, non, c'est Yuga qui donne le dribble direct. Le Sano, il est sympa, mais il faut le Jito pour faire le tir combo. Et bien évidemment, quand t'as un Tachibana, il te faut le deuxième pour qu'il soit viable. Donc voilà les seuls joueurs que j'ai. J'ai eu le Izawa. Là, j'ai 2 Tsubasa. Je crois qu'il donne des SP. Je sais plus c'est quoi qu'il donne comme SP celui-là. On va voir ça tout de suite. Technique. Oui, voilà, il donne la volée. Donc tu vois, le jour où je vais pouvoir le mettre en 4 étoiles, je peux le mettre une volée. Une deuxième SP supplémentaire. Après, il faut essayer d'équilibrer, donc tu peux mettre un dribble ou une 2 pour voir. Bon voilà, de ce que moi je comprends. Hein. Donc comme je dis, ne m'en veuillez pas si je dis des bêtises. Pardon. On va voir mon équipe, comment elle est composée. Donc bien évidemment, Waka. Donc moi je te conseillerais, comme Mav, toujours dans un jeu Tsubasa, il faut vraiment viser un gardien de but très très fort pour sécuriser le truc. Mav dans sa dernière vidéo il dit qu'il faut prendre ce Genzo ou le Shimazu Toho qui tient le ballon avec sa cuisse comme ça sur sa cuisse. D'ailleurs j'ai failli le prendre, je vais pas vous mentir parce que
J'ai fait la single plein de fois pendant au moins une bonne demi-heure. Et au bout d'un moment, j'ai eu ce Shimazu-là. Et j'ai dit non, 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 je m'en fous, je veux le Wakambourg. Et j'ai eu le Wakambourg. Donc voilà. Vous avez vu que le Urabe est milieu. Mais apparemment, il peut. Attendez. Il peut quand même jouer. Il peut quand même jouer à défenseur. Donc lui, il a un tackle aiguisé. Voilà, donc si tu ne vas pas te prendre aussi la tête, tu mets préparation automatique, formation et joueur. Comme ça, tu ne prends pas la tête. Changer de tireur et de tenue. Donc là, tu changes le tireur de coup franc, de corner et de penalty. Parce qu'il y a des penalties dans le jeu. Et les maillots. Donc pour l'instant, ça reste les maillots collège. Collège et élémentaire. Et voilà quoi. Voilà, voilà. Hein. Voilà ma team. Donc Sawada, Chester et Pierre. Avec le Sano et le Tsubasa sur le côté. Je devrais peut-être mettre le Tsubasa devant et mettre le Pascal sur le côté. Mais Pascal, c'est sympa parce que Pascal, il a un tacle, donc il peut tout de suite tacler les défenseurs et récupérer vite le ballon. Donc, voilà. Alors, on va revenir dans le menu. Donc là, tu as aussi Event Principal. Pardon, excuse-moi. Event Principal, n'importe quoi. Histoire principale, donc ça reprend l'histoire de Tsubasa. Donc, ça permet de farmer les orbes. L'histoire secondaire aussi. Voilà, donc quand l'histoire. Parce qu'au bout d'un moment, l'histoire, si tu montes pas assez ta team, ça va devenir de plus en plus compliqué de gagner les matchs. Donc je crois que c'est jusqu'à. Attends, moi je me suis arrêté à Yuga, je crois. Voilà, je suis. Non, football aérien. Je suis au chapitre 7. Je peux mettre en hard maintenant. Hard, ça commence à devenir un peu difficile. Ma team, elle est à 60 000. Là, tu commences à trouver des équipes à 65, presque 70 000. Et là, ça commence à être un petit peu difficile. Donc, en plus, tu as le. Donc, voilà. Donc, quand tu arrives à un moment de l'histoire principale, trop dur pour toi, passe sur l'histoire secondaire pour que tu puisses continuer à farmer les orbes. Donc moi, c'est mon conseil que je donne. Que je donne. Ok, League, bon bah League c'est jouer contre un mec, entre guillemets c'est pas du PVP mais c'est du PVE, ouais, bah c'est du PVE quoi tout simplement. Match à un signe, comme je t'ai expliqué, pour monter tes joueurs en 4 étoiles, il va falloir que tu farmes les insignes. Donc voilà le Tsubasa. Pour l'instant j'en ai 390, donc il faut que je continue à le monter. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on te dit, voilà, par exemple, ce joueur-là, tu veux le monter. Par exemple, le Ishizaki, je veux le monter. Bah, il faut que je clique sur ce match-là pour le faire monter. Pour le Tsubasa level 36, je clique sur le Tsubasa level 36. Et là, il y a le match qui va se lancer pour que je puisse, entre guillemets, le farmer et le faire évoluer. Voilà, attends. Par contre, le Waka, je ne l'ai pas encore, je crois. Le Waka en bourre, je ne l'ai pas encore débloqué, je crois. Je ne l'ai pas encore parce que je crois que je ne suis pas arrivé à l'histoire... Voilà, tu vois, ils sont verrouillés. Tout ça, c'est verrouillé, verrouillé, verrouillé. Et en plus, il te dit quand est-ce que tu peux les déverrouiller, normalement, je crois. Attends. On va descendre. On va faire gardien. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tu as le truc gardien sur le côté. Non, je ne l'ai pas encore, le Waka. La pièce Waka en bourre, je crois que je ne l'ai pas. Hop. Donc voilà, ce qui est bien, c'est attaquant, milieu, défensif. Donc, défenseur, pardon. Comme ça, moi, tu te prends pas la tête, tu vois directement. On a des. Alors, je pense qu'on va aller dans le truc le plus. Alors, attends, événement, vite fait, très rapidement. Donc là, c'est les événements un peu comme dans Dream Team, où tu peux débloquer des pièces, des carnets, etc., etc. Donc ça, encore, j'ai pas très très bien tout saisi. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas comprendre. Ok. Donc, on a du joueur. Liste des objets, échange, bon, la boutique, c'est la boutique pour les cash players, échange, c'est pour, c'est la boutique entre guillemets, bah, entre guillemets, pas gratuite, mais boutique événement, quoi, un peu comme ce qu'on a sur Dream Team. Transfert, je pense que c'est là qu'on va que va être intéressante la vidéo. Donc, tu as deux portails qui viennent de sortir qui sont très sympas. Qui sont très très forts d'ailleurs, hein, le Tsubasa et le Misaki Junior Youth. Donc là, ce portail là, c'est par exemple si tu as payé 3000 DB, on va dire DB, tu as un 3 étoiles garanti. Après, tu peux avoir un deuxième, un 3 deuxième évidemment, mais tu as au moins 3 étoiles garanti. Mais par contre, il faut que tu payes les orbes. L'autre qui est à côté, là, c'est un portail
un step up, comme on connaît sur Dream Team. Au bout de la troisième multi, la quatrième est gratuite. Après, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. T'as le jour qu'il faut. Tu t'arrêtes, tu gardes tes orbes, tu sens pour les prochains portails, parce qu'il va y avoir d'autres portails qui vont sortir. Donc voilà, pour l'instant, moi je suis à 7490 gemmes. Donc pour faire le step-up complet, bien évidemment, il te faut 9000. Parce qu'une multi, ça fait 3000, il t'en faut 3, 3 x 3, 9, 9000. Ensuite, voilà la multi gratuite qu'on te donne pendant, je sais pas pendant combien de jours. Donc ça, c'est pour célébrer la glow. Donc chaque jour, je crois c'est à 10h du matin, là. Je crois c'est comme Dream Team, ça reset tous les 10h du matin. Donc tu as une multi, c'est là où je crois que j'ai eu le Urabe, le Izawa, etc. Ticket rare, donc c'est les joueurs qui sont dans le jeu, donc c'est pas des portails spécifiques. Voilà, donc c'est l'arc collège et je crois même un petit peu élémentaire. Donc des fois tu peux gagner des tickets rares, donc c'est un ticket gratuit que tu ne payes pas, que tu as gagné dans le jeu, et tu peux l'invoquer, tu peux invoquer une single, c'est une single par contre, sur ticket rare. Donc j'en ai déjà eu un, bon j'ai rien eu, mais ça peut être sympa. Et là, tous les, je sais plus combien de temps, tu as une single gratuite. Bon là c'est pas des joueurs, je crois que généralement, ouais c'est tout ce qui est SP, hein. C'est des SP, c'est des ballons, d'ailleurs on va le faire, hop. Je peux faire 10 tirages avec les. Par contre, ça c'est avec les pièces dorées. Voilà. Quand t'as le ballon normal, c'est de la merde. Voilà, c'est une étoile. Quand c'est un ballon doré, c'est 2 étoiles. Et quand c'est un ballon arc-en-ciel, c'est 3 étoiles. Retour au transfert. Donc voilà. Donc il se peut que je vous fasse une petite vidéo invocation de ce portail-là. Voilà. Donc je cherche bien évidemment si je peux avoir le Miseki et le Tsubasa. Ce serait complètement dingue. Junior Youth, ils sont beaux les maillots, ils sont magnifiques. D'ailleurs, ça nous spoil un petit peu pour la prochaine saison, puisque ils ont déjà fait des dessins pour la suite de l'animé. Comme tu peux voir, il y a aussi le Schneider Hambourg, etc., etc. Donc voilà. Voilà pour le portail, pour le côté transfert du jeu. Je pense que en guise de présentation, on n'est pas trop mal. On va dans échange. Voilà. Donc là, tu peux acheter des trucs, des tenues de milieu, entraînement. Là, je comprends pas tout, en fait. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je vais pas vous faire le mec connaisseur ou quoi. Je ne comprends pas tout. Donc là, par contre, voilà. Enfin, attention, parce que, attention, il y a des objets que tu peux payer avec tes orbes. Donc, attention. Moi, je serai à votre place, je n'achèterai pas avec mes orbes. Dans Dream Team, la seule chose que tu achètes avec tes DB, c'est la place dans ta box, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, tu as les jetons, voilà, le jeton en insigne. Par exemple, pour le Waka, il m'en faut 90. Vous vous rappelez, le Waka, il est là. Il m'en faut 90. Et ça me coûte 5 pièces arc-en-ciel, on va dire ça comme ça. Donc il faut faire les calculs, on est presque à 400, il faut 400 pièces. Là j'en ai 75. Je peux le faire évoluer, hein. Je peux le faire évoluer. Moi je peux le faire évoluer maintenant si je veux, le Waka. Et même chose pour le Tsubasa. Même chose pour le Tsubasa. Voilà, le Tsubasa il est là, élémentaire, Nankatsu, voilà, élémentaire et t'as le collège, à ne pas confondre. Les jetons arc-en-ciel, voilà, j'en ai 10, donc tu peux acheter plein d'items. Là encore, j'ai pas tout pigé encore. T'as même des œufs au bacon, regarde, je sais pas ce que c'est, œufs au bacon, analyse, capitana, bon bref, pas tout pigé. Voilà. En tout cas, si vous avez pigé tout ça, les amis, commentaire en dessous de la vidéo, ça, il n'y a pas de souci, je vous fais confiance. On va se faire un petit match rapidos. Pour vous montrer à quoi ça ressemble quand même, parce que là depuis tout à l'heure on parle, on va dans les menus, je vous montre des trucs et tout. Et quand est-ce qu'on joue? Eh ben on va jouer. On va faire l'histoire principale secondaire, pardon. Donc vous avez vu, il y a des filles. Bon ça c'est plutôt sympa, hein, y a pas de problème. Hein. Le football est unisexe, y a pas de souci. On va faire stratégie transversale. Donc quand vous voyez
une bannière avec le petit triangle orange, c'est que c'est une cinématique. Donc skip est là, tu prends tes 50 gemmes et salam alek. On va faire l'entraînement 2. Hop, on va faire démarrer. Alors, ça me coûte 8, 8 de stab. Donc là, ils sont à 41 000. Par contre, j'ai baissé la vitesse du jeu parce que comme ça, moi, ça, vous allez un peu comprendre. Voilà, on va faire voilà, vitesse 2. Donc là, pour l'instant, j'ai ma barre en bas à droite qui se remplit. Donc pour l'instant, je peux rien faire. Donc là, tu peux choisir ta tactique. Attaque. Moi, je mets attaque agressive. Quand je farm, je fais attaque agressive. Comme ça, moi, je ne me prends pas la tête. Par contre, quand tu tombes contre une grosse team, là, par contre, il va falloir jouer comment dire, plus subtil. Voilà. Alors, attendez, là, j'attends juste de récupérer le ballon. Et là, on va commencer le combo. Je vais tirer avec les Napoléons. Voilà. Donc là, maintenant, il va y avoir une série de passes automatiques. Je ne fais rien. Voilà, il va dribbler. Il a gagné son match-up. Voilà. 1,6, je savais pas que je sais pas ce que c'est 1,6. Voilà, il a gagné son match-up, 3532, et ça rentre, et c'est le but. Voilà. Donc tu fais pas grand-chose dans le match, mais ça reste sympa quand même. Ah, par contre, si j'ai une critique, c'est les commentaires. Je sais pas si ça se désactive, mais ce serait bien que je puisse les désactiver parce que ça prend un peu de place dans l'écran. Après, bon, tu joues pas, hein, mais bon, ça casse un peu la tête. La retournée automatique de Tsubasa. Bon, ça va rentrer, bien évidemment. Il y a une grosse différence de puissance entre nous. Par contre, là, je peux plus faire de spé. Donc là, voilà, le Pasquale avec le tacle argentin qui fait plaisir. Hop, c'est parti. Par contre, là, je peux plus faire de spé. Donc là, je vais être l'ordinateur. Voilà, j'ai marqué. Ah, il m'a marqué un but sur un tir blanc. Eh ben bravo. Bravo le veau. Des fois, oui, des fois tu peux te manger des tirs blancs malgré que t'as un gros gardien. Hein. C'est possible. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà, bien joué. Je sais pas qui c'est qui a récupéré le ballon. Oh purée, j'ai eu un penalty. Normalement, il devrait l'arrêter. Ouais, bon, quand ça arrête ça. Oui, c'est 1470. Voilà. Donc voilà, pour commencer, quand vous allez commencer le jeu, un conseil, prenez un gardien de but. Hein. Je sais qu'on a envie d'avoir un gros attaquant et tout, mais franchement, voilà. Après, prenez votre gardien et évite vos 3000 gemmes et faites le premier step du nouveau portail Tsubasa Imizaki ou Andouz. Il se peut que vous ayez un très bon joueur. Un très bon attaquant. De toute façon, dans ce jeu-là, pour bien commencer, il faut absolument un excellent attaquant et un très bon gardien de but. Vous avez vu, j'ai que 2 étoiles. Parce que je me suis mangé un but. Si je ne me serais pas mangé un but, j'aurais eu 3 étoiles. On va faire match 3. Hop. C'est rapide, hein, c'est très rapide. Et le jeu est plus réactif que Dream Team. Bon, après, c'est pas le même. C'est pas les mêmes. C'est pas le même. Même poids d'application. Dream Team est presque à 3 gigas, je crois, ou 2 gigas. Lui, il est à 80 et quelques. Donc voilà. Mais voilà, c'est bien, c'est un petit jeu sympathique. Bon, bien évidemment, c'est un gacha. Donc bien évidemment, tu mets de l'argent, il y a de l'argent en jeu. Voilà, il a mis une reprise automatique, le Tsubasa. Donc ça n'a pas pris un spé. Ça c'est sympa, un tir blanc. Voilà. On va attendre que ma team récupère. Voilà, c'est parti. Allez, le Napoléon. Allez, le combo, le star. Allez. Le pierre. Donc ça, c'est pierre 2 étoiles. Hein. C'est pas des 3 étoiles. Voilà, il fait la passe. Voilà, direct, deuxième but. Ah, j'étais content hier. Hier, j'ai eu le Napoléon, j'étais content. Même si c'était un 2 étoiles, j'étais plutôt content. Parce que j'avais Ishizaki et son tir sauvage. Au bout d'un moment, ça passe plus trop. Hein. Ça ne passe plus trop. Elle est magnifique cette spé. Elle est magnifique cette spé. Je sais pas pourquoi Dream Team ils n'ont pas encore mis cette spé là. L'aspect où de Urabe où il tourne autour des joueurs. Et elle est magnifique cette spé. En tout cas, j'ai hâte qu'elle sorte sur Dream Team.
attendre qu'il récupère le ballon. Allez, le Tsubasa pour sa retournée. Donc en fait, c'est toujours les mêmes joueurs qui vont faire les passes et tout. Hein. Voilà, bon, toujours. Bon, voilà, Waka va récupérer le ballon sans problème. Sans problème. Bon, par contre, il faut attendre un petit peu. Bon, Tsubasa, ça passe hein, sans problème aussi. Hein. Il va tirer tout seul. Ok. Et 4-0. Vous avez vu, hein, des fois tu perds 3, 2, tu gagnes que 2-1 et des fois tu gagnes 4-0. Donc c'est assez aléatoire. Il y a un petit peu des RNG dans le jeu. Donc là, le tag va passer, le tag de Pascual. Voilà pourquoi je mets Pascual devant. Des fois il marque des buts aussi. Mais par contre, il y a des buts blancs. Parce que dans certains. Quand vous allez farmer les premiers matchs, il va falloir. Les conditions pour avoir les 3 étoiles, il va falloir faire des techniques de tir. Sinon, vous n'aurez que 2 étoiles. Voilà, on a récupéré l'étoile. 50 gemmes, ça fait plaisir. Et aussi, par rapport à Dream Team, chaque joueur commence à augmenter aussi. Tu augmentes ton niveau. Voilà. Par exemple, pour regarder mon Pierre, il est à 20. Chester, il est bientôt à 20 aussi. Donc voilà. Donc par contre, Waka 52, je crois que lui, il n'est pas prêt de monter avec par les matchs. Et voilà. En fait, plus ton joueur est bas, et plus il va vite augmenter via les matchs. Hop. Voilà, tu gagnes des tickets zap. Ça sert aussi pour certains matchs. Pour les matchs, je crois, je sais pas si ces matchs ont un signe. Donc là, une cinématique, on va la couper, sinon YouTube va me taper sur les doigts. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Allez, skip. Voilà, tu me donnes les gemmes. C'est rapide, hein. C'est très rapide. Par rapport à Dream Team, c'est tac, tac, tac. Donc voilà, hein. Donc je sais qu'il y a eu les World Cup qui étaient sortis sur Zero. J'ai hâte qu'ils ressortent. Je sais pas s'ils vont ressortir un jour. Voilà, munitions. Hop, tout recevoir, tu reçois tout. Voilà. Donc je suis à 7620. Donc quand j'aurai le 9000, je vous fais une petite vidéo ensemble. On fera la vidéo ensemble du step up Misaki et Tsubasa ou Juniorius. Je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos sur Zero. On verra mon humeur, etc. Si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà. Il n'y a pas de PVP, donc voilà. Allez, t'as dit. C'est là-dessus qu'on s'arrête. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo découverte. Un petit peu explication, présentation de ma team et de Captain Tsubasa Zero. Je sais que ça fait diviser un peu sur Twitter. Il y en a qui veulent pas entendre parler du jeu. Moi, je l'ai pris. Pour l'instant, il me plaît bien. Voilà, je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête. Je ferme tranquillement. Et voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de jeux gacha qui se sont sortis dernièrement. Le Saint Seiya Awakening qui vient de sortir en version globale. T'as le Hokuto no Ken, t'as le Zero qui vient de sortir, t'as le One Punch Man, c'est n'importe quoi. En ce moment, c'est n'importe quoi. En gacha, sur mobile, c'est n'importe quoi. Voilà les amis, je vous laisse, c'était Letko pour vous servir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, très certainement pour la vidéo invocation sur le Step Up Juniorius, Tsubasa et Misaki. Je vous embrasse, ciao ciao.